بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإخوة الكرام، جمعية الفوز تقدم لكم الدرس الثالث من السلسلة التي تعتمد على كتب المتينة، وهذه الكتب تدرس في الجامعة بالمدينة المنورة من خلال سنتين لطلاب العلم غير ناطق باللغة العربية. Donc l'association AMT, Association musulmane de Thiers, Al-Fawz, vous présente le troisième cours qui est basé donc sur la série des tomes de Médine qui sont enseignés aux étudiants non arabophones de Médine durant une période de 2 ans. Avant de commencer au troisième cours, nous allons faire une révision du deuxième cours. Donc, في الدرس الثاني رأينا فيما مضى أن ذلك هو الاسم الإشارة للبعيد في المذكر. Donc, nous avons vu la dernière fois que ذلك c'est un pronom démonstratif pour désigner les choses au masculin. Les choses lointaines. تقول مثلا ما ذلك؟ ذلك نجم. Donc qu'est-ce que cette chose? Cette chose là-bas est une étoile. ما هذا؟ هذا مسجد. Donc cette chose devant est une mosquée. وذلك بيت. Et cette chose au loin est une maison. Donc هذا c'est pour désigner les choses de près. Et ذلك pour désigner les choses de loin. Donc, hada, c'est au masculin, comme dhalika. Nous verrons par la suite l'équivalent au féminin. إذن في الدرس الثالث سنتكلم عن الأسماء الناكرة والمعرفة. Donc, dans ce troisième cours, nous allons parler des noms définis et indéfinis. مثلا بيت هذا اسم نكرة، البيت هذا الاسم معرفة. Donc بيت qui veut dire une maison، البيت la maison. Donc ici vous avez ce qu'on appelle le tanwin، donc c'est deux dhammas qui se suivent. Ce tanwin là c'est le signe du nakira، du fait que ce nom là est indéfini. Donc بيت lorsque vous voyez les deux dhammas، c'est-à-dire le tanwin، Baytun, c'est Nakira, donc indéfini. Al-Baytu, c'est défini par le Alif Lam, l'équivalent de LE en français. Le. Idan Baytun, une maison. Al-Baytu, la maison. Et vous voyez que lorsque c'est défini par Alif et Lam, le Tanwin disparaît. Vous avez juste la Dhamma. Vous entendez à la fin Baytun, une maison. Al-Baytu, la maison. La même chose pour le livre, Kitabun, avec la Nakira ici, avec le Tanwin. Al-Kitabu, Ma'rifa, c'est-à-dire défini. Donc là, on n'a plus de Tanwin. Donc Kitabun, un livre. Al-Kitabu, le livre. Qalamun, un stylo. Al-Qalamu, le stylo. Jamalun, un chameau. Al-Jamalu, le chameau. Al-Qalamu, Maksurun. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va vous apprendre quelques mots de vocabulaire. Al-Qalamu, Maksurun. Ça veut dire le stylo cassé. Maksurun, c'est une chose qui est cassée. البابو مفتوح. Donc la porte ici là est ouverte. مفتوح c'est quelque chose d'ouvert. الولد جالس والمدرس واقف. Donc l'enfant est assis. جالس c'est une personne qui est assise. والمدرس واقف et le professeur est debout. واقف جالس.
Donc c'est en quelque sorte les contraires. Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Donc le livre, hein, c'est toujours ma'rifa, donc avec le alif lam. Le livre est nouveau. Le nouveau livre, jadidun, c'est nouveau. Al-kitabu jadidun, c'est le nouveau livre. Wal-qalamu qadimun et l'ancien stylo. Qadimun, c'est ancien. Idhan tajid al-aks daiman. Jadidun aksu qadimun. Aks, ça veut dire en arabe contraire. Donc jadidun, nouveau. Qadimun, ancien. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Donc là, c'est toujours ism ma'rifa avec le alif lam. Donc là, vous avez plus de tanwin, donc c'est défini. Al-himaru, c'est l'âne. Saghirun est petit. Wal-hisanu, et le cheval est grand, kabirun. Tajid aydan saghiru aksu kabirun. Donc saghir, c'est le contraire de kabir. Saghir, petit. Kabir, grand. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu, c'est la chaise. Donc, toujours ma'rifa avec alif lam sans le tanwin. Vous avez juste la dhamma. Al-kursiyu maksurun. Donc la chaise est cassée. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu, le mouchoir. Donc, toujours avec le alif lam ma'rifa. Donc sans le tanwin ici. Donc al-mindilu, c'est le mouchoir. Et sale, wasikhun. Al-ma'u baridun. Donc l'eau est froide. Baridun, c'est froid. Al-qamaru jamilun. Donc la lune est belle. Al-qamaru, c'est la lune. Donc avec le alif lam, donc ma'rifa, sans le tanwin. Al-qamaru, la lune, jamilun est belle. البيت قريب والمسجد بعيد تجد أيضا هنا قريب هو عكس بعيد العكس comme je vous ai dit c'est le contraire قريب c'est près بعيد c'est loin donc البيت قريب donc la maison est proche قريب والمسجد et la mosquée est loin بعيد الحجر ثقيل والورق خفيف تجد أيضا هنا ثقيل هو عكس خفيف donc ici vous avez toujours le contraire de ثقيل le contraire de ثقيل c'est خفيف الحجر c'est la pierre est lourde ثقيل quelque chose de lourd la pierre est lourde et la feuille est légère الورق c'est la feuille Khafifun, c'est quelque chose de léger. Donc, Thaqilun, Khafifun, son contraire. Qaribun, Ba'idun, contraire. Al-labanu, Harun, donc le lait est chaud. Harun, quelque chose de chaud. Donc, ici, on a le contraire de froid. Donc, Baridun, c'est froid. Harun, c'est chaud. Al-qamisu, Nadifun, donc la chemise est propre. Nadifun, c'est propre. Donc le contraire de nadhifun, c'est wasikhun. Aks wasikhun, wa nadhifun. Tamarin. Iqra waktub ma'a dhabt awakhir al-kalimat. Donc dans cet exercice-là, on vous demande de mettre les harakat, c'est-à-dire les signes, pour vous habituer aux noms définis et indéfinis. Donc là, on n'a pas de alif lam. Donc automatiquement, c'est indéfini, donc il faut mettre un tanwin ici. Donc ça va être masjidun avec deux, avec le tanwin. Ici, vous avez le alif lam, donc ça devient défini. Donc là, on a une mosquée indéfinie, et ici, la mosquée qui est définie. Et donc là, on n'aura pas de tanwin, on aura juste la dhamma. Donc ça va être al-masjidu. La même chose ici. Al-ma'u, l'eau. Ma'un. Donc c'est une eau indéfinie, parce qu'on n'a pas de alif lam. Ici, alif lam, donc ça va être dhamma ici. Al-baytu. Ici, une porte indéfinie, parce qu'on n'a pas de alif lam. Babun. Qalamun, un stylo. Al-qalamu, le stylo, avec alif lam, donc avec une tanwin ici.
الكلب لو شيان ديفيني الف لام كلبون ان شيان كيلكونك دونك افيك لو افيك التنوين ici كلبون قميص دونك اون شيميز كيلكونك سي ولد ان انفون الحجر لا بيير دونك لا سي ديفيني بار الف لام دونك ici on aura juste une ضمه الولد l'enfant défini par alif lam donc on aura juste une dhamma ici الولد حمار ici comme c'est indéfini on n'a pas de alif lam donc c'est un âne quelconque donc ici on aura la tanwin حمار الحمار donc ici défini par alif lam donc c'est ma'rifa donc sans le tanwin on aura juste une dhamma الحمار الحصان donc le cheval défini par alif lam donc sans tanwin ici on aura juste une dhamma al-hisan ici la même chose sauf que ça devient indéfini parce qu'on n'a pas de alif lam donc on aura une tanwin ici hisanun iqra waktub donc là ici il vous demande de lire les phrases et de les réécrire avec les harakat c'est-à-dire les signes المكتب مكسور المكتب سي لو بيرو اي كاسي المكتب دونك ici on a alif lam donc juste une dhamma مكسور اي كاسي المدرس جديد دونك ici المدرس سي لو بروف دونك ديفيني بار الف لام دونك سان تنوين جديد اي نوفو القميص وسخ la chemise est sale donc القميص sans تنوين وسخ ici on a une تنوين اللبن بارد le lait est froid donc défini par alif lam donc sans تنوين juste avec une ضمة بارد المسجد مفتوح la mosquée est ouverte donc défini par alif lam donc juste une dhamma al masjidu maftouhun al hajaru kabirun donc la même chose ici défini par alif lam sans tanwin juste avec une dhamma la pierre est grande al hajaru kabirun al labanu baridun wal ma'u harrun donc le lait est froid et l'eau est chaude donc la même chose défini par alif lam al labanu juste avec une dhamma, walma'u, juste avec une dhamma. Al-imam jalisun wal-mudarrisu waqifun. Donc l'imam est assis et le prof est debout. Donc ici la même chose, vous avez le contraire de jalisun, c'est waqifun. Jalisun assis, waqifun debout. Al-qamaru ba'idun. Donc la lune est loin. Al-mindilu nazifun. Et le mouchoir est propre. املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمات المناسبة من الكلمات التالية donc si vous avez une faute faut pas prendre en compte c'est le kalima c'est-à-dire le mot donc ici on vous demande de remplir donc de mettre en fait vous avez une série ici de mots et on vous demande d'attribuer donc c'est un mot ici à chaque phrase donc al-hajaru donc pour faire une révision déjà jamilun c'est propre c'est beau وسخ سال مفتوح ouverte حر chaud ثقيل lourde خفيف léger الحجر donc c'est la pierre on suppose que elle est lourde donc الحجر ثقيل الباب la porte est ouverte مفتوح القمر la lune جميل est belle الورق خفيف et donc la feuille est légère المنديل وسخ donc le mouchoir est sale وسخ اللبن حر donc le lait est chaud la même chose ici املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمات مناسبة donc ici on vous demande de faire preuve d'imagination vu que maintenant vous avez quelques mots de vocabulaire et compléter donc les phrases. Donc nadhifun, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Nadhifun propre.
القميص par exemple, la chemise est propre. القميص نظيف. Ici مكسور, quelque chose de cassé. On peut dire par exemple القلم مكسور, le stylo est cassé. بارد, qu'est-ce qui pourrait être froid? Par exemple l'eau. الماء بارد. قريب, ici proche. المسجد قريب, donc la mosquée est proche. بعيد, loin. Par exemple, البيت بعيد, donc la maison est loin. واقف, quelqu'un de debout. Pourrait dire par exemple, الطالب واقف. واقف, donc l'étudiant est debout. جالس, assis. Par exemple, المدرس جالس, l'enseignant est assis. كبير, qu'est-ce qui peut être grand par exemple? Une porte par exemple, albabu kabirun, la porte est grande. Qadimun, ancien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Par exemple, albaytu qadimun, la maison est ancienne. Jadidun, nouveau. Par exemple, almudarrisu jadidun, donc le prof est nouveau. Donc ici vous avez al-kalimat al-jadida, donc c'est les mots nouveaux à apprendre pour la prochaine fois. Donc al-qamaru, c'est la lune. Jadidun, nouveau. قديم ancien, donc عكس جديد قديم, donc le contraire de جديد c'est قديم. وسخ, quelque chose de propre, de sale. نظيف, propre, donc le contraire de نظيف c'est وسخ. حار, chaud. بارد, froid, le contraire aussi. صغير, كبير. صغير, petit. كبير, grand, donc c'est son contraire. مفتوح, donc c'est quelque chose d'ouvert. مكسور, quelque chose de cassé. ثقيل, quelque chose de lourd. خفيف, quelque chose de léger. Le contraire de خفيف, c'est ثقيل. جميل, quelque chose de beau. واقف, debout. جالس, assis. Donc là, une petite révision concernant Isma, concernant le Nakira et le Ma'rifa, donc pour faire la différence entre le défini et l'indéfini. Najmoun, c'est une étoile, Al-Najmu, l'étoile. Donc ici, vous voyez qu'avec le Alif Lam, la Tanwin disparaît. Ça, c'est la Tanwin, ici, qui se transforme en Dhamma à cause de Alif Lam. Dikun, c'est un coq quelconque. Ad-Diku, le coq, c'est défini. Rajulun, c'est un homme, indéfini avec le tanwin. Ar-Rajulu, l'homme, défini par Alif Lam et juste avec une dhamma ici. Talibun, un étudiant. Al-Talibu, l'étudiant. An-Najmu Ba'idun, donc l'étoile est loin, est lointaine. Ar-Rajulu Waqifun, l'homme est debout. السكر, السكر حلو, donc le sucre est doux. حلو, c'est quelque chose de sucré, de doux. الطالب مريض, donc l'étudiant est malade. مريض, c'est malade. الديك جميل, le coq est beau. جميل, quelque chose de beau. الدفتر جديد, الدفتر c'est le cahier. Est nouveau. At-tajiru ghaniyun, donc le commerçant. At-tajiru, c'est le commerçant. Ghaniyun est riche. Ad-dukkanu maftouhun, ad-dukkanu c'est la boutique. Maftouhun est ouverte. Al-waladu faqirun, donc l'enfant est pauvre. Donc le contraire de ghaniyun, c'est faqirun. التفاح لذيذ. لذيذ, c'est quelque chose de très bon, succulent. التفاح, c'est la pomme. لذيذ. Donc à chaque fois, on avait ici des mots ma'rifa, c'est-à-dire définis par le alif lam. As-sukaru, ad-diku, at-tajiru, etc. At-tabibu tawilun wal-maridu qasirun. At-tabibu, c'est le docteur. Tawilun est long, sous-entendu grand de taille. Walmaridu est le malade et petit. Qasirun. Donc là, le contraire de qasirun, c'est tawilun. Tawilun, quelque chose de long, grand. Qasirun, quelque chose de court ou bien petit.
التمرين الثاني، دوزيام اكزارسيس، اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Donc la même chose ici, il faut mettre les harakats, c'est-à-dire les signes, pour voir si vous avez bien compris lorsqu'on met le tanwin et lorsqu'on ne le met pas. Donc ici on a alif lam, donc c'est ma'rifa, défini. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, donc ça c'est le lit, as-sariru, al-baytu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, donc c'est le sucre, al-waraku, la feuille. Donc tous ces mots-là sont définis par alif lam. كل هذه الأسماء معرفة. املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمات مناسبة. Donc ici, il faut faire preuve d'imagination encore et donc mettre un mot correspondant pour faire une phrase qui a du sens. غنيون, quelqu'un de riche. On va dire par exemple الرجل غنيون, l'homme est riche. حلوون, quelque chose de doux, sucré. السكر حلوون, sucre par exemple. Maridun, donc l'enfant est malade par exemple. Al-waladu maridun, maridun c'est quelqu'un de malade. Lavidun, donc quelque chose de succulent par exemple. Tuffahu lavidun. Tawilun, quelqu'un de grand par exemple. Al-mudarrisu tawilun. Qasirun, c'est petit, donc par exemple al-waladu qasirun. اختر كلمة من القائمة تناسب الكلمة التي في القائمة. اختر كلمة من القائمة باء تناسب الكلمة التي في القائمة ألف. Donc là, il faut choisir en fait un mot de la colonne ألف et le raccorder avec un autre mot de la colonne باء. Par exemple, الطالب مريض, l'étudiant est malade. الدكان, donc la boutique, مفتوح, est ouverte. التفاح لذيذ, donc la pomme est succulent. الماء حر, donc l'eau est chaude. الحجر ثقيل, donc la pierre est lourde. القلم مكسور, donc le stylo est cassé. Donc les mots nouveaux, حلوون, quelque chose de doux, sucré, مريضون, quelqu'un de malade, دكان, la boutique, غنيون, quelqu'un de riche, طويلون, quelqu'un de grand, فقيرون, quelqu'un de pauvre. Donc le contraire de فقيرون, c'est غنيون. قصيرون, quelqu'un de petit, donc le contraire de قصيرون, c'est طويلون. التفاح, c'est la pomme. والآن سنرى الحروف القمرية والحروف الشمسية. Maintenant, on va voir les lettres solaires et les lettres lunaires. الحروف القمرية والحروف الشمسية. Donc, qu'est-ce que الحروف القمرية? Donc, les lettres lunaires sont les lettres qui lorsqu'elles qu'elles sont précédées de alif lam, on prononce le lam en mettant un sukun ici. Par exemple, alif, on va prendre le mot aboun, qui veut dire un père. Si je dis al-abou, c'est le père, on va prononcer le lam. Vous entendez à al-abou, parce qu'on a le alif qui fait partie des حروف القمرية. La même chose pour le bab, pour ba, qui fait partie de, qui est une lettre lunaire, parce que si je prends un mot qui commence par ba, par exemple baboun, une porte, si je fais en sorte qu'elle devienne, que ce mot-là devient défini par alif lam, je veux dire al babou, ici on va prononcer le lam en mettant sukun. Al-Babu, donc la porte. Pour Jim, donc le paradis par exemple. Al-Jannatu, on prononce le lem. Ha, Al-Himaru, donc l'âne. Kha, Al-Khubzu,
Donc le pain. Donc la même chose, on prononce toujours le lam avec une soukoun. Aïn, al-aïnou, un œil. Ra, rain, al-radaou. Donc c'est le déjeuner. Fa, al-famou. Donc la bouche, donc la même chose, on prononce le lam toujours. Al-qamaru, pour un qaf, donc la lune. Kaf, al-kalbu, le chien. Mim, al-ma'u, l'eau. Waou, al-waladu, donc la même chose, on prononce toujours le lam. C'est qamaria. Donc waou fait partie des lettres lunaires. Al-waladu, l'enfant. Aha, al-hawa'u. Al-hawa'u, c'est le néant, l'air. Ya, et là, enfin la lettre ya. Al-yadu, c'est la main. Donc toutes ces lettres-là font partie des lettres lunaires. Donc on prononce le lem à chaque fois. Est-ce que vous avez un mot commençant par l'une de ces lettres-là? Lorsque vous mettez alif lam, vous prononcez le lem en mettant une soukoune sur le lem. Al, al-jannatu, al-himar. Maintenant, on va voir les huruf al-shamsiyya, donc les lettres solaires. Ce sont les lettres qui, lorsqu'elles sont précédées de alif lam, on ne prononce plus le lem. Et en même temps, donc on ne prononce pas le lem, on ne met pas de soukoun sur le lem, et on met une shedda sur la lettre. Par exemple, ta. At-tajiru. Donc là, on ne prononce pas le lem. Et on met une shedda sur le ta. At-tajiru, le commerçant. Tha. Al-thawbu. Donc l'habit, la même chose. Pas de soukoun sur le lem, on ne prononce pas le lem, et on met une shedda sur le tha. Del, ad-diku. Donc pas de soukoun sur le lem, shedda sur le del, donc le coq. Al-dhahabu, l'or, la même chose. Ra, ar-rajulu, donc l'homme. Zay, az-zahratu, donc la rose. Sin, as-samaku, le poisson. Shin, ash-shamsu, le soleil. Sad, as-sadru, la poitrine. Bad, al-daifu, l'invité. Pa, al-talibu, l'étudiant. Va, al-zahru, le dos. Lam, al-lahmu, la viande. Nun, al-najmu, l'étoile. Donc vous avez compris donc la différence entre les lettres lunaires, al-qamariya, al-huruf al-qamariya, et les lettres solaires, al-huruf al-shamsiya. Pour les lettres lunaires, on prononce le lem lorsqu'on met l'article défini alif lem, al-babu, al-jannatu. Par contre, pour les lettres shamsia, comme ta-tha, lorsqu'on a un alif lem, on ne prononce pas le lem. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de sukun, et on met une shadda sur la lettre qui arrive. Al-thawbu, al-diku, al-zahbu, al-zahbu, al-rajulu. التمرين الثالث اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد النطق والحروف القمرية والشمسية. Donc ici, vous allez mettre en pratique donc le cours que vous avez vu juste avant en mettant les harakats, c'est-à-dire les signes, et pour voir si vous avez compris, si vous connaissez donc les lettres solaires et lunaires. Ici, par exemple, ba, c'est Qamaria, c'est une lettre lunaire, donc on va mettre le lam. Al-baytu, ad-diku, ici dal c'est Shamsia. Al-mudarrisu, donc mim c'est Qamaria, donc on va mettre une soukoun. Al-babu, donc ba c'est Qamaria, donc on va mettre une soukoun sur le lam. Al-talibu, donc ta c'est Shamsia. Donc on ne va pas mettre de soukoun, on ne va pas prononcer le lam et on va mettre une shadda sur le ta. As-sukaru, sin, shamsia, une shadda sur le sin ici et pas de soukoun sur le lam. Ad-daftaru, pas de soukoun sur le lam, une shadda sur le del. Al-akhu, on va mettre une soukoun sur le lam parce que alif c'est qamaria, donc le frère.
الأخ سي لو فرير الرسول دونك لونفويي الرا سي الشمسية دونك ومت شدة سور لو را اي با دو سكون سور لو لام الوجه سي لو فيزاج الواو سي قمرية دونك ومت سكون سور لو لام الصديق الصديق سي لو فيريديك الصاد سي الشمسية دونك اون فا ميتر شدة سور لو صاد القرآن القرآن كم قاف سي قمرية ومت سكون سور لو لام الصلاة دونك لا بريير صاد سي الشمسية دونك اون فا با ميتر دو اون فا ميتر شدة سور لو صاد 100 متر دو سكون سور لو لام الكعبة دونك سي لا كعبة دونك با دو on va on kaf c'est qamaria donc on va mettre une soukoune sur le lem ar-ra'su c'est la tête ra c'est shamsia donc on va mettre une shadda sur le ra 100 mètres de soukoune sur le lem al-isba'u donc c'est le doigt alif c'est qamaria donc on va mettre une soukoune sur le lem as-sabun donc c'est le savon sad c'est Shamsia, donc on va mettre une shadda sur le sad, 100 mètres de soukoun sur le lem. Al-dhufru, donc c'est l'ongle. Donc on va mettre une shadda sur le dhad et 100 mètres de soukoun sur le lem, parce qu'on ne prononce pas. Al-fajru, c'est la prière du fajr. On va mettre une soukoun sur le lem, car fa, c'est qamaria. Al-dhuhru, c'est la prière de dhuhr. Donc, Vad, c'est Shamsia, de quoi mettre une Shedda sur le Vad. Al-Asru, Aïn, c'est Qamaria, donc on va pas mettre de Shedda, par contre, on va mettre une Sukun. Al-Asru, Al-Maghribu, donc sur le Mim, pas de Shedda, par contre, sur le Lem, une Sukun. Wal-Isha'u, Aïn, c'est une lettre. Donc, هي من الحروف القمرية في بارتي دي لتر لونير دونك اون فا ميتر اون سكون سو لو لام ان شاء الله سنكتفي بهذا القدر واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nous allons nous contenter de cette leçon là et je vous dis donc à la prochaine pour le quatrième cours ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين